Bonjour mes chers élèves. Hier, vous avez lu les sons. Oui, ouin, ouin, G minuscule, G majuscule, G en script. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire l'écriture. Aujourd'hui, on est vendredi 17 avril 2020. On va faire l'écriture des sons que vous avez lus à la page 114. Les sons, oui, ouin, ouin, G minuscule, G majuscule, G en script. Maintenant, prenez vos cahiers à distance que vous avez à la maison. Le stylo bleu et le stylo vert. Vous avez écrire les sons. Oui, ouin, G minuscule, G majuscule, G en script dans vos cahiers d'à distance en respectant les interlignes, les points, les virgules, les points finaux avec un stylo vert. Ce qui est écrit avec le stylo rouge, vous allez l'écrire avec le stylo vert. C'est, je vais lire les sons et les mots. C'est, oui, oui. Je vais répéter. C'est, oui, oui. La cuisine. La cuisine. Des, oui, d'oui. Des, oui, d'oui. Oui. Oui, Louise. Louise. Vous avez écrire les mots et les sons sur les pointillés, ici, en respectant toujours les interlignes. Ouin, il a besoin. Ouin, il a besoin. Ouin, des bidouins. Ouin, des bidouins. Je vais vous lire la phrase. Gafi, c'est la phrase clé de la lecture. Page 115. C'est pas 114, 115. Gafi voit la ville au loin. Gafi voit la ville au loin. Vous avez écrire la phrase deux fois. Ici et ici. En respectant les interlignes, les majuscules avec le stylo vert et les points finaux avec le stylo vert. Écrivez bien, mes élèves. Merci. Après l'écriture, mes élèves, on va passer à la correction des exercices dans les cahiers de fichiers que vous avez à la maison. On va faire la correction de la page numéro 25. Allez, prenez vos cahiers de fichiers. Numéro 2. On va faire, Inch'Allah, la correction. Le stylo vert pour corriger. La page 25. Cahier de fichiers. Le son, 32. Premièrement. Écoute, entoure le bon dessin. Écoute, entoure le bon dessin. Je vais vous lire la phrase. Quand le voleur remarque la voiture de police, il s'enfuit. Quand le voleur remarque la voiture de police, il s'enfuit. Voilà la réponse qui est juste. Corrigez avec un stylo vert si vous avez des fautes.
Entourez la bonne réponse et corrigez. Deuxièmement, il traverse la rue en marchant sur le passage pour piétons. Il traverse la rue en marchant sur le passage pour piétons. Voilà la réponse qui est juste. Corrigez si vous avez des fautes. Avec ainsi le verbe. Corrigez. Voilà la réponse. Deuxième exercice. Lis, relis ce qui va ensemble. Vous avez relié avec une règle et vous avez corrigé. Je vais vous lire les mots. Un puits. Voilà le puits. Un puits. Corrigez si vous avez des fautes. Voilà le puits. Deuxième phrase. Elle se nuit. Corrigez, regardez, elle se nuit. La fille se nuit. Corrigez si vous avez des fautes. Elle se nuit. Il conduit. Regardez bien. Corrigez. Si vous avez des fautes, il conduit. Louise. Louise est une fille. Corrigez si vous avez des fautes. Le foin. Corrigez si vous avez des fautes. Voilà le foin. Le cheval mange le foin. Corrigez si vous avez des fautes. Le foin. Troisième exercice. Complète les phrases avec les mots suivants. Complète les phrases avec les mots suivants. Conduit, ébloui, besoin, bédouin, puits. On a des mots qui contiennent les sons oui, oui, ouin, ouin. On va les corriger ici. La première phrase. Les bidouins, c'est le mot qui est juste, vivent dans le désert. Ils ont besoin d'eau. Ils ont besoin d'eau. Je vais répéter la première phrase. Les bidouins, corrigez si vous avez des fautes. Les bidouins, ce sont des gens qui vivent à la ferme ou bien c'est pas à la ville. Ce sont des paysans. Les bidouins vivent dans le désert. Ils ont besoin d'eau. Alors, quand ils remarquent un puits, corrigez si vous avez des fautes. Le puits où il y a de l'eau. Il s'arrête. Deuxième exercice. Cet automobiliste conduit lentement parce que la lumière du soleil l'éblouit. Cet automobiliste conduit lentement parce que la lumière du soleil l'éblouit. Corrigez les mots avec
Ainsi le verre. Les mots qui contiennent les sons oui, oui, ouin, ouin. Corrigez si vous avez des fautes. Quatrième exercice. Mets les mots au pluriel qui contient S ou bien X. Vous avez des mots et vous avez l'écrire au pluriel. Un ruisseau, des ruisseaux. Ruisseau prend X à la fin, c'est X du pluriel. Tous les mots qui se terminent par EAU, leur pluriel, X à la fin. La nuit, les nuits, S. Un bidouin, des bidouins, S à la fin. S du pluriel. Un lionceau, des lionceaux. X à la fin. C'est X du pluriel. Un oiseau, des oiseaux. X à la fin. Un genou, des genoux. X à la fin. Les mots qui se terminent par EAU. Au singulier, dans leur pluriel, ils prennent X. Les mots qui ne contiennent pas S, dans leur pluriel, ils prennent S. Les mots qui se terminent par OU, au singulier, dans leur pluriel, ils prennent X à la fin. Corrigez mes élèves si vous avez des fautes. Merci et au revoir.